Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du week-end, le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2022, je vais y arriver. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, petit rappel, c'est une guidance générale. Il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, on commence tout de suite avec le Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne. Merci d'être là, d'être présent. Allez, c'est parti. L'énergie principale de ce week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. Bon, ça veut parler. Le 8 de bâton. Allez, il y a des nouvelles rapides qui vont arriver. Hein. Alors, est-ce que ce sont des bonnes nouvelles? C'est possible. Hein. En général, c'est des bonnes nouvelles, 8 de bâton, mais c'est une rapidité. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous. Des nouvelles rapides, un message rapide. Allez, on va regarder tout de suite. Avec le tarot passant de Madame Indira, trois cartes qui vont nous donner des informations complémentaires sur ce fameux 8 de bâton. Bon, c'est bien, hein, c'est des nouvelles. Alors, si ça ne vient pas ce week-end, parce que vous attendez des papiers, ça peut arriver la semaine prochaine, hein, d'accord? Mais ce sera rapide. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tac. Ouf. Alors, vous êtes là, vous. Peut-être des nouvelles rapides de l'étranger pour gérer des problématiques qui peuvent venir de loin d'ailleurs. Ouais, c'est bien pour vous. Vous allez réussir à gérer des problématiques venant de loin, d'accord? Je pense qu'il y a beaucoup, alors pour ceux pour qui ça parle, des problématiques venant de l'étranger et vous allez devoir couper, trancher à travers les difficultés et vous allez pouvoir le faire. Ah. C'est joli là, ça va mieux. D'accord. Mais il va falloir trancher hein, sur des difficultés par rapport à quelqu'un qui vient de l'étranger, une femme. Allez, l'énergie féminine. On va regarder quand même les énergies générales. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont vous permettre aussi de couper hein, avec des difficultés liées à une personne à l'étranger, une femme hein, étrangère. Allez, bah oui, on parle de rapidité, on parle de voyage aussi pour certains, certaines. Il y a une transformation par rapport à un isolement, il y a quelque chose de rapide qui arrive. On voit que hein, vous avez coupé des liens, en tout cas, hein, avec quelque chose du passé. Alors peut-être que c'est cette fameuse personne qui est à l'étranger. Une grande transformation de votre isolement, de votre sensation de solitude, en tout cas. Pour ceux pour qui ça parle, parce que les messages, bon, c'est du général. Allez, 9 cartes avec les 77 pour les énergies générales. On suivra avec un petit Lenormand avec le chiron marketing. Recouvert d'un petit Lenormand, d'un mini petit Lenormand. Allez, donc on a coupé des liens, ok, on se pose pas mal de questions quand même par rapport à une situation où il y a eu hein, peut-être un moment de parenthèse. Alors, il y a des liens qui ont été coupés, effectivement, ça vous a beaucoup questionné, il y a une reconnexion qui sera faite. Alors, on voit qu'en ce moment, c'est le calme plat, il se passe pas grand-chose, mais il y a un cadeau qui arrive pour vous, on attend la clé. Il y a une transformation, il y a votre vie qui va changer hein, complètement par rapport à des révélations qui seront faites. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de triomphe. Alors, le centre hein, de votre week-end, c'est le triomphe, c'est la joie, le bonheur, le soleil, quelque chose de très lumineux qui arrive. Du repos pour certains, lâcher prise. Vous, on vous demande peut-être d'ouvrir les yeux hein, sur un projet immobilier aussi. D'accord.
Alors, pour certains, il y a un projet immobilier de déménagement loin. Pour d'autres, c'est en bord de mer. Alors, donc, il y a un projet en gestation, un projet immobilier hein, qui va se faire. On vous demande d'ouvrir les yeux sur certaines choses d'ailleurs, hein, voilà, de pas forcément vous reposer sur vos lauriers, on va dire, mais de lâcher prise. Ce projet, il a lieu, c'est pour un déménagement assez loin, peut-être au bord de la mer hein, pour certains. On me dit que vous aurez le triomphe sur des personnes toxiques, malhonnêtes, qui ont peut-être généré des problèmes sur un projet que vous aviez, sur un projet peut-être immobilier, peut-être un projet de déménagement aussi, et un déménagement pour rejoindre ou pour déménager avec votre chère et tendre ou avec quelqu'un qui vous tenait à cœur. On me dit que en fait, alors il y a peut-être une bonne nouvelle qui va arriver pour couper avec une personne d'origine étrangère ou à l'étranger, mais c'est quelqu'un d'assez toxique, on me dit. On me parle que la transformation va être rapide, hein. Il y a une sortie d'isolement, d'accord. Et effectivement, c'est quelqu'un de manipulateur, de très manipulateur. Donc on vous dit méfiance. Mais vous tranchez avec cette personne qui vous a créé que des problèmes apparemment. Qu'est-ce que je regarde? Alors, on vous demande d'ouvrir les yeux sur certains blocages aussi par rapport à un projet immobilier que vous pourriez avoir, mais vous aurez le triomphe, hein, pas d'inquiétude. Ouais, il y a des célébrations qui seront faites. Le centre de votre tirage, de votre tirage, pardon, de toute façon, c'est tout ce qui est solaire, c'est le triomphe, c'est la célébration. J'ai l'impression que si blocage il y a eu, vous allez trancher, vous allez pouvoir débloquer. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement loin, un projet immobilier aussi pour une sortie d'isolement? C'est possible. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Il y a plein de messages là. Il y en a de partout. Donc c'est pour ça, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va passer tout de suite au Gilded Rêveries. On va avoir un 9 cartes. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end, les amis? Vous qui suivez ma chaîne, qui êtes abonnés, qui vous abonnez, qui êtes de passage, voilà, qui regardez en tout cas. Allez. Il y a quelque chose de lourd que vous traînez. Malgré tout, hein, vous avancez vers une direction. Donc, vous avez envie d'avancer dans une nouvelle direction quelque part. Et puis, il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui est lourd, qui est pérenne, mais qui est ancien, mais qui... Voilà, comme quelque chose qui vous retenait. On parle de papier ou de révélation, hein, d'accord? On parle de... vraiment d'ouvrir ce livre et d'avoir l'information hein, par rapport à cette direction que vous voulez prendre. Alors, hop. Neuf cartes. Je suis peut-être un peu en retard sur mes réponses aux mails. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Je suis toujours un peu à la bourre, vous inquiétez pas. C'est moi. Allez, zou. Je réponds, hein, vous inquiétez pas. Hein, d'accord, mais dès que je trouve du temps. Mais je les ai lus, il n'y a pas de souci. J'ai les infos. Allez, on parle donc de choix à faire, de révélation par rapport à un courrier qui peut arriver assez rapidement. Par rapport à un projet immobilier de longue date. On me parle de prendre une décision de couper, de trancher. De le faire de manière très discrète. Il y a un contrat qui se signe, hein, quand même, d'accord, qui va vous apporter le triomphe. Donc, on voit que si une transaction immobilière qui doit se faire, ça va se faire dans le temps. Les nouvelles arrivent vite, mais vous pouvez prendre du temps, effectivement, à décider. On vous demande quand même de regarder un peu les petites lignes du contrat, puis de... voilà,
de négocier ce qu'il y a à négocier, en tout cas de prendre des décisions et de trancher. Alors, le centre de votre tirage, c'est le ministère de la grande entreprise. Il y a quelque chose d'officiel hein, qui peut arriver pour vous. Une occasion à saisir depuis l'extérieur ou par l'extérieur, suite à une réflexion, une introspection. On voit qu'il y a un rêve quand même hein, qui doit se faire et qui se transforme. Alors, on voit la fin aussi d'une introspection, on voit la fin d'une solitude quelque part. On me parle peut-être pour certains d'un travail qui peut avoir lieu assez loin. En tout cas, qui demande un grand déplacement. Il y a une opportunité à saisir. Alors, peut-être pour travailler dans un ministère ou dans une grande entreprise, il y a un contrat qui peut venir, hein, d'accord, qui peut arriver. Il y a une occasion à saisir, mais ça va demander un grand déménagement. Il y aura une réflexion et un choix hein, qui sera fait. Pour d'autres, il y a un autre contrat qui s'arrête, hein, d'accord. Donc, j'ai l'impression que soit il y a une mutation... En tout cas, une transformation d'un poste. On vous dit quand même, soyez prudent, regardez bien les petites lignes des contrats. Alors, il y aura un déplacement hein, pour signer ce contrat, mais j'ai l'impression que c'est... Alors, si c'est du travail, c'est loin. C'est à l'étranger, hein, pour moi. Si blocage il y a, vous allez les dépasser de toute façon. Alors... Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a eu un moment de réflexion, puis vous allez trancher. Hein. Vous allez donner votre avis, vous allez dire oui ou non. On vous demande la prudence quand même, et vous avez bien réfléchi. Alors, cette réflexion, elle a été très émotionnelle, d'accord? Alors, effectivement, s'il s'agit d'un déménagement, d'un départ à l'étranger, ça peut être compliqué, hein. D'accord? En tout cas, il y a une opportunité à saisir. Ouais. Il y a des personnes peut-être, ok, qui ralentissent le processus, ok, parce qu'elles sont peut-être malveillantes, peut-être manipulatrices. On vous demande de rester discret hein, quand même hein, là-dessus. Hein. J'ai le masque qui est tombé en dos de deck. Vous aurez gain de cause hein, en tout cas sur les personnes qui bloquent ou qui ralentissent ce processus. Alors, pour moi, effectivement, il y a une occasion à saisir, des liens sociaux à créer, mais des opportunités surtout à prendre. On voit qu'il y a... c'est comme si tout un contexte changeait, tout un contexte extérieur changeait. Pour moi, il y a un gros déménagement qui se prépare hein, pour certains. Vous me direz en commentaire, mais c'est la fin d'une époque pour certains. Vous tournez une page. Hein. Moi, je sens qu'il y a une fin de cycle un peu voilà, un peu tranché. Hein. Alors, ça peut être un départ à l'étranger ou un retour de l'étranger, mais il y a une fin de cycle hein, pour vous. Après, il va falloir vraiment, on me dit, hein, trancher. Voilà, couper, faire des choix, vous libérer de difficultés qui peuvent provenir d'une personne féminine vivant ou d'origine étrangère. Hein. En tout cas, vous aurez un message qui arrive très très vite qui va vous permettre de prendre cette décision de trancher. On passe tout de suite à votre tirage sentimental, mes amis. Pour ce week-end... On s'achemine vers le printemps et ça fait du bien. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a sur le relationnel? Il y a du changement dans le relationnel, dans le sentimental. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Alors, on parle d'argent qui arrive suite à une séparation. Peut-être pour certains... de l'argent qui vient avec une séparation. En tout cas, si séparation il y a, l'argent arrive. On parle de nouveaux projets de toute façon pour vous. Ouais. Alors,
Ouais, des nouveaux projets à distance. Alors, peut-être un projet de déménager loin. Encore une fois, on en parle. Est-ce que vous emmenez les enfants avec vous? Est-ce que, voilà, est-ce que vous décidez de faire un bébé sur place aussi, c'est possible? La question se pose effectivement parce qu'il y a des enfants. Hein. Alors, il y a des papiers à signer, des choses officielles, mais vous vous sentez quand même en échec hein, par rapport à ce projet. Alors, c'est que dans votre tête parce que vous allez le célébrer, ce projet. Hein. Il y a des belles choses. Hein. Ok, donc les contrats se signent. Hein. Donc s'il s'agit voilà, d'aller chercher un job à l'étranger ou quoi, les contrats sont signés, les accords sont signés. Hein. Ok, alors on voit que vous êtes soutenu par vos amis. Ce qui bloque, c'est peut-être qu'effectivement, ben, ça peut être compliqué parce que vous pouvez vous poser beaucoup de questions et notamment parce que vous êtes... voilà, ça demande un grand changement, même si ce projet vous attire. Hein. D'accord. On vous demande de lâcher prise, de rester zen. Alors, vous vous protégez beaucoup, hein, on voit, d'accord. Ouais, c'est bien pour vous. Ce que je peux aussi voir, hein, c'est qu'il y a quelqu'un avec qui il y a de l'attirance, avec qui vous êtes ami. Et que pour le moment, si vous voulez, cette attirance n'est pas dite, elle n'est pas formulée quelque part. Donc, parce que vous vous protégez beaucoup et que vous voulez garder votre tranquillité. Donc, il y a peut-être peut-être quelqu'un dans vos amis qui a de l'attirance pour vous. Et voilà. Et en fait, vous bloquez un peu. Ouais, parce que vous vous posez beaucoup trop de questions. C'est bien ce que je pensais. Arrêtez de vous poser des questions. Restez zen. Alors, on voit qu'il y a des gens jaloux autour de vous. Mais vous protégez bien de la jalousie. Hein. Alors, faut pas que ça impacte votre santé, d'accord? Les gens jaloux, vous les laissez où ils sont. Hop. On voit de l'instabilité, mais cette instabilité, elle est créée par ces questions que vous vous posez beaucoup trop. D'accord? On vous demande quand même de faire un petit travail sur vous qui va pouvoir vous aider à arrêter de penser. On vous dit, soyez zen, protégez-vous, mais restez zen, arrêtez de trop penser. D'accord? Donc, dans le relationnel, il peut se passer des choses, mais effectivement, arrêtez de trop réfléchir, trop penser. On passe tout de suite à la conclusion pour vous pour ce week-end, pour les énergies de ce week-end. Ça veut pas. Hop. Alors le Béline, il se lit dans les deux sens, donc c'est pour ça que. Bon, il y a la carte de la protection qui s'est retournée. Donc il y a une grande protection sur vous. Pas d'inquiétude. Quelque chose qui est très protégé. Il y a une reconstruction qui est tout à votre honneur, c'est-à-dire que vous sortez d'un moment assez compliqué, assez difficile, d'accord. Pour moi, il y a peut-être eu de la trahison, mais en tout cas, vous restez assez peureux, assez sensible, même si vous êtes en train de vous reconstruire avec les honneurs. Alors, c'est un passage protégé, comme je dis ça. C'est pour moi, quand j'ai la grâce comme ça sur une reconstruction avec les honneurs, ou le petit honneur, c'est que c'est un parcours assez initiatique, hein, c'est que vous deviez en passer par là, déconstruire pour reconstruire quelque part. Alors, on va regarder cette conclusion qui arrive pour vous. Hop. Allez, on parle d'hypersensibilité. Tant que vous êtes effectivement dans la crainte, les énergies sont bloquées, il ne peut rien se passer. Donc, on me dit qu'à partir du moment où vous lâchez la peur, les choses avancent et vous commencez à vous ouvrir au monde et à être connu, voire reconnu. Ne soyez pas quand même déçu par certaines personnes, peut-être par la famille, d'accord? Peut-être suite à des papiers, hein. On me parle de déception hein, suite à des papiers dans la famille. Bon. On me dit quand même que vous êtes reconnu, hein, qu'on vous écoute hein, dans votre famille. Hein. Vous êtes pas... Alors, il y a une protection sur vous. Cette carte-là m'indique que de toute façon, s'il y a des choses positives, ça va s'amplifier. Donc, pas d'inquiétude. Vous attendez que la roue tourne. C'est comme si
Vous étiez en attente que quelque chose avance dans cette reconstruction, peut-être sur un héritage. Il y a une aide qui arrive et le retour d'une personne avec une grosse négociation à la clé. Alors, la négociation, ça ne va pas être de tout repos puisqu'il y a de la colère. Hein. Donc, la négociation, elle va être un peu, on va dire, enjouée. Sur un questionnement matériel, d'accord, donc vous allez vous chercher des informations parce que effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a un héritage hein, sur lequel ça se dispute. L'argent arrive, hein, c'est ce qu'on voyait. Donc par rapport à ce questionnement matériel, allez chercher les infos. La roue va tourner sur du retard et il y a une aide, hein, il y a le retour d'une aide hein, qui arrive pour vous et vous allez pouvoir enfin sortir, vous ouvrir, en tout cas passer à autre chose. Vous reconstruire par rapport à cette aide hein, qui arrive financière, hein, j'ai l'impression, c'est matériel. Hein. Ok, donc il y a une protection là-dessus. On va terminer avec le message du Starseed Oracle. Allez, zou. Hop. Il y en a partout, comme d'habitude. Voilà. Message du Starseed Oracle pour vous, mes amis. Quel est le message pour votre week-end? Lifting the veil, donc on lève le voile, questionnez tout ce qui n'est pas aligné avec vous doit partir. Ben c'est bien ce qu'on se voit, hein. C'est que là, vous allez trancher, vous allez faire des coupes sombres dans les difficultés par rapport à des nouvelles qui arrivent. En tout cas, voilà, tout ce qui ne vous correspond pas, vous dégagez. Les gens jaloux, les gens toxiques, les gens manipulateurs... Trancher pour arriver vers une plénitude. D'accord. Très joli message du Starseed Oracle. J'espère que ça vous a plu. C'était vos énergies du week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.